Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo où j'ai tenté de répondre à l'une des questions que vous m'avez le plus posée la semaine dernière. Où est le guide de Shiva Iriel? Shiva Iriel, comme vous le savez, c'est l'un des anciens extrêmes de Rim Reborn qui a été remis au goût du jour pour être dans Shadowbringer pour qu'on puisse l'affronter au niveau 80. Et c'est exactement le même combat, c'est exactement les mêmes mécaniques. Et c'est pourquoi mon guide en fait que j'ai fait il y a plus de 5 ans maintenant, presque 6 ans je crois, est toujours valide et vous aurez le lien normalement dans une fiche à l'écran. J'essaie aussi de modifier le nom, peut-être de refaire la vignette, c'est peut-être des choses qu'on fera ça par la suite, mais je me suis dit ça pourrait être sympa de vous proposer cette petite vidéo déjà pour vous prévenir hein, pour commencer vu que vous étiez beaucoup à vous le demander et en plus aussi si vous êtes abonné à la chaîne, si vous suivez la chaîne d'ailleurs depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai fait des vidéos depuis maintenant presque 7 ans dans Rim Reborn où je vous ai fait tous les primordiaux extrêmes qui sont sortis, donc peu importe les primordiaux qui sortiront en mode irréel, vous l'aurez sur la chaîne. Et si vous avez des questions ou autres, bien sûr, comme d'habitude, je stream régulièrement sur Twitch et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi, bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et rejoindre le Discord si vous cherchez d'autres joueurs pour justement aller peut-être faire Shiva IRL ou d'autres contenus. Et donc, dans cette vidéo, on va avoir deux choses. On va voir déjà un petit peu comment fonctionne le nouveau mini-jeu qui se trouve à Idyllé. Et en plus, je vous mettrai la rediff d'un des runs qu'on a fait de Shiva IRL si vous voulez vraiment voir le combat de maintenant avec les compétences de maintenant. Mais vous verrez, c'est exactement le même que à l'époque. Donc, déjà, pour débloquer Shiva Iriel, il faut aller à Idyllé. Vous aurez un PNJ normalement qui sera juste en face de l'Éthérite qui vous permettra d'aller jusqu'à côté de Chloé, en fait, là où se trouve monsieur le président. Le président qui va vous débloquer déjà Shiva Iriel et lorsque vous l'aurez terminé, il va vous proposer de jouer donc au nouveau mini-jeu qui est un peu comme une bataille navale où le but c'est de récupérer le coffre, en fait, d'essayer de trouver le coffre. Alors vous avez deux gros items principaux à récupérer. C'est soit le coffre en fait qui va être 4 cases sur 4 cases ou soit vous allez pouvoir essayer de récupérer aussi les doubles. Alors les WP, ce qu'elle va vous permettre, c'est à la fois aussi quand même de gagner quelques points, mais surtout de pouvoir rejouer après sur Shiva, parce que sinon vous devrez attendre la semaine prochaine avant de pouvoir le retenter. Enfin, vous pouvez le faire autant que vous voulez, mais vous pourrez attendre la semaine prochaine pour pouvoir rejouer au mini-jeu là. Après, forcément, en fonction du nombre de cases que vous allez débloquer, du nombre de choses que vous allez trouver, vous allez gagner plus ou moins de tokens. Je sais que c'est possible de récupérer, je crois, 120 tokens en une seule fois et de pouvoir même en plus rejouer derrière, ce qui vous permettrait de débloquer la monture assez rapidement. Moi personnellement j'ai fait je crois que 5 tokens et pour savoir il en faut 600 pour avoir la monture. Il y a aussi d'autres petites récompenses d'ailleurs qu'on peut obtenir via ce système là. Et encore une fois toutes les semaines ça va vous demander d'aller faire Shiva, d'aller l'affronter. Je sais pas si commencer par Shiva c'était le meilleur primordial à recréer. J'aurais préféré peut-être quand même un Titan au final, même si les développeurs nous ont dit clairement que tout le monde aurait arrêté le jeu s'il avait fait ça. Ou même peut-être des combats aussi de Heaven Sword, ça aurait été très sympa, genre un Sephiroth ou peut-être un Tordane, qui sait. On verra par la suite ce qu'ils nous feront. En tout cas, c'était à peu près tout pour cette vidéo déjà. Encore une fois, il n'y avait pas énormément de choses à dire, c'est pour ça que je vais vous mettre aussi la rediffusion de Shiva Extreme dedans. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et puis, encore une fois, si vous voulez qu'on la fasse, si vous voulez faire d'autres trucs, n'hésitez pas, je stream régulièrement sur Twitch. Donc voilà, j'essaierai de vous proposer aussi une vidéo d'ailleurs cette semaine sur mes impressions comme ça de la Main Story Quest. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à me demander la question, qu'est-ce que j'en ai passé, qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez beaucoup à être venus sur la live d'ailleurs, c'était assez énorme pendant qu'on avait vécu ensemble la Main Story Quest. Donc j'essaierai de vous proposer tout ça dans la semaine. Et allez, je vous souhaite un bon visionnage de la rediff si vous regardez la rediff. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Non mais j'en ai pas. Ah, c'est quoi ce mensonge là? Non mais j'en ai pas. Tout le monde est venu pour connaître le TikTok de Pixie et ça y est. Ah ouais, il faut pas non plus la sous-estimer quoi. C'est clair que c'est un primordial de l'époque, donc c'est clairement en dessous de ce qu'on a aujourd'hui en termes de primordial. Hein. Le primordial de la 5.3 est quand même bien plus complexe que celui-là. Ouais, il est juste un peu aléatoire, donc c'est bizarre. Ça va. Là, c'est le bâton. C'est un spread. Voilà, regarde, moi, je suis déjà tout sur la droite. Il y a des headbusters. Donc les tanks, ils vont en rouge après, enfin en A ou 1, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Ok, plus pratique, merci beaucoup. Voilà. Et vous allez ensemble, vous aurez qu'une AOE sur vous. Je pense si un DPS se trompe, vous pouvez adjuster. Oui, oui, oui. On... il faut aller. On se réchauffera. Sur le 4, sur le 4, sur le 4. On va sur le 4. Après, ça va être le cher direct, je crois. Oui, bientôt, bientôt, oui. bientôt. Oui, oui. Ouais. Ça va être chiant. Voilà. C'est bien dans les étoiles.
Pas encore. Bah là on va le tomber. Là c'est le temps. Attention, ça va être bientôt in. C'est vrai. Tout le monde dedans. Tout le monde dedans. Avec l'accent un peu du sud comme ça. Mais lol, tu comprends mon accent. L'accent du sud. Ça ouais. Arrive. C'est pas tout à fait ça en Nikoto, l'accent du sud. Pas tout à fait ça, c'est. Comment ça Comment ça, moi qui m'y entraîne. Ah, de toute façon, tu rajoutes des G à chaque fin de mot. C'est ça, voilà. Ouais, ça suffit. C'est ça, voilà. Parce que tu es des voyelles et tout. Voilà. Mettez-vous devant Shiva. Hein. Yep. Ça. Rajoute des G. Toujours plus de G. Qu'est-ce qui vient du sud, dites-moi sur le live. Ah ça avance, ouais ça avance, on va le tomber. T'inquiète Samira. T'inquiète. Les rumeurs disent que... Est-ce qu'on va le tomber? Est-ce que les rumeurs sont vraies? Je ne sais pas. Je te laisserai le prendre. Ok. Ah non, t'approches Garuda. Pas encore, bientôt ça arrive. Ça arrive, Civi. Ça arrive juste pour le clear. Qui est bien placé. Ouais, c'était bien dans les étoiles. Je vais faire câlin. Hop là, entrée. C'est un spread. Spread ouais. Bâton. Donc n'oubliez pas, nous on est sur le. Ah mais il n'y a même pas les trucs à ce moment-là. Et au milieu il y aura des Rainbuster 3 pour nous. C'est sûr, je crois qu'il y en a que 2. Mais en fait elle fait plus 1 à chaque fois. Mais des fois, je sais pas, elle bug un peu. Ah, c'est... Non c'est pas... Attends. Ah je sais pas. Mais normalement il y en a 3. Hein. C'est pas en fonction du nombre de son bonus de dégâts augmenté. Hein. Ah peut-être. Possible, mais ça fait quand même 3 de toute façon. Bah là elle en a 3, ouais voilà. Une vidéo, mais il y en a déjà une depuis 6 ans justement. Et regardez, voyez pourquoi je veux faire une rediff. Vous savez que je dis que la vidéo est déjà en ligne depuis 6 ans. Ça fait 6 ans. Et d'ailleurs, bah, si vous êtes abonné à la chaîne, peu importe quel primordial ils mettront, bah il sera sur la chaîne parce que j'ai fait tous les primordiales. Derrière, c'est l'arc. Après, on remarquera que l'arc, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Hein. On remarquera. Contre lui. Ouais. Bah, à l'époque, c'était. T'es pas obligé d'aller forcément A, hein. Pas trop de son. Ah oui, attention, il va y avoir la marque, n'oublie pas, celui qui a la marque derrière Stoïcisme, mais sinon du côté. Là ça va être la marque. On se prépare. La marque sur Jazz. Ouais. Bon, il n'y a pas trop utilisé le Stoïcisme. Mais... On bouge pas. Faut pas bouger. Je vais claquer ma portée de bras, la bougresse. Ça va être aller la revoir. Moi j'ai pas osé, je me suis dit si j'entends ma voix de l'époque 50-50. En plus. Tout le monde devant, tout le monde en A. Ouais. Parce que là il y a le. Les AO au point, j'ai pris super cher là. Le cher. Je pense qu'il y avait des gens qui ont pas trop parlé. Il manquait un reviens derrière, attention. Il manquait un tank hein, pour les effets au cas où. Qu'il va y avoir un in, puis un knockback. Merde, t'as plus de dot. J'ai shield pour le knockback. In. Ah oui, c'est dans le boss, dans le boss. C'est le dynamo. Là, il y aura un Shiva. Pas bouger. Ah oui, Shiva truc, d'accord. Oui, bah j'ai envie de dire Shiva, mais bon, c'est pas très logique Red, sur ce combat. Red Buster. Ouais. Ah oui, tu veux dire la glace. Oui, enfin les AO. Ouais, je vois, je comprends. Il faut être sur le 1. Sur le 1. Et on ira au middle bouger. Maintenant. Moi, j'ai, à chaque fois, j'ai pas mes dots. Voilà, il y a Shiva. Il y aura un arc juste après. Tu le reprends C'est l'arc. Derrière. Je peux, vas-y, je la prends. Contre le mur. Mais non, là c'est le run. Là c'est le run. Je crois que ça va être la marque là après. Hein. Donc on regarde bien. Oui, ça contre le mur. On regarde bien la marque. Si vous avez la marque, vous allez derrière. Si vous n'avez pas la marque, vous allez du côté. Vous pouvez déjà vous replacer du côté. En fait.
sur Kurumi. Après, il y aura un pas bougé. On compte sur toi. T'es sûr? S'il y en a pas, c'est juste aller au centre. Pour le boss. Y'a pas eu. Et là, on refait un 50% bouclier ou. Au sprint. Où était. N'ayez pas si c'est le bouclier, on se prépare à. Allez dans votre marque, gardez bien votre marque. Tout, non, c'est tout le monde en 1, tout le monde en 1. Tout le monde en 1, tout le monde en 1. Oh, trop vite. Hop. T'as la haut du tank. Il y a un in et ensuite. Il y a un lormaté. Ouais, je pense que je ferai. Je vais remettre la rediff et tout, surtout si l'on tombe là. Et comme ça, je dirais aux gens s'ils veulent rentrer, je vais pas refaire le guide alors qu'on était fait il y a 6 ans. Okay. Ça peu importe ce qu'ils vont sortir pour en termes de combat irréel. Faut pas bouger, ouais, faut pas bouger. Il y a Shiva. Rien, pattern Shiva derrière. Je dirais Elana, il y a Shiva. Oui, bon. Shiva dans Shiva. Je sais pas comment l'appeler, moi. Shiva bien. Ah non mais ça y est, on va pas que je remette la rediff là, c'est fini là. C'est fini, faut pas qu'on le tombe là. Ça ne va plus avec des blagues pareilles. Derrière là. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle sort une baguette, c'est quand elle sort... C'est une flèche. C'est une flèche qu'elle sort. C'est pas une baguette. Ah. C'était Harry Potter. Il va y avoir la marque là encore. Ouais, donc n'oubliez pas, stoïcisme, portez bras derrière et vous pouvez déjà vous faire le replacer des côtés. Non, c'est sur moi. Sur, Mikoto. Et merci, Bless, pour le follow. Il faut me remonter, on bouge cher, pas. On bouge pas. C'est Shiva, c'est Shiva, c'est Shiva. Là, faut aller au centre. Oh merde. Tu peux aller au centre? Pareil, 50-50. Pour moi, ça sent le bâton là. Ouais. Ouais. Tout le monde dans sa marque. Et on est sur le A. 50-50. Non, proche, je suis mort! Alors que vous n'avez pas pris les deux attaques, moi je suis pris les deux attaques, pas eux. C'est injuste. Allez, le... Oh mon dieu, la souris. La vie est injuste. J'attends parce que là, je crois qu'elle le spam de machin. Voilà. C'est bien en fait qu'on voit le debuff, enfin le buff pardon. Maintenant. Oui. Ça, ça tu sais qu'il faut pas bouger, tu sais qu'il a tout le temps. Faut aller ouais, sur le 4, sur le 4, sur le 4. On ira au middle maintenant, on peut aller au middle. Il y a un arc derrière. C'est la baguette derrière. Je vais reprendre. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, tonte, je crois que ça va être la marque à nouveau. Oui. Là, je pense que oui, c'est un down. Contre le mur. Je pense que c'est un down. Eh, hey, si t'as deux marques, t'as fini. Je crois que tu peux pas avoir le stoïcisme de up en fait à chaque fois. Ouais. Ça veut dire. Ah, après, je sais pas, bon, je sais pas peut-être bon, sur la tombe, c'est bon. Sur Arena, attention. Par contre, on va falloir tout donner là parce on qu'on bouge va pas, bientôt on arriver bouge à pas. 11. Non, c'est bon, bon elle est morte, elle est à 1%. À 11, pas très loin tout ça. GG. Et ben voilà. Félicitations. Voilà, 6 ans après, on refait le même combat. elle est quand même plus sympa maintenant, hein, Shiva. Je veux rien dire, la Shiva du premier reflet. On va pas spoil si vous l'avez pas encore fait. Enfin, on pourrait spoil en vrai. Mais je pense que tout le monde l'a fait, mais. Elle est quand même plus sympa si, la nouvelle. Même si les gens ne l'ont pas fait, ils en ont entendu. Est-ce qu'on a des mouchoirs Cerelon? Non! On peut tomber! Oh putain, mais. My bad! My bad. Ça va, ça va, ça va, tout va bien. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, je retourne, t'inquiète. T'inquiète.